Je suis donc copropriétaire dans une résidence ancienne de la fin des années 50, mais dans laquelle il y a toute une mise aux normes à faire. Et ce que j'aimerais savoir, c'est quelles sont les aides que l'on peut avoir éventuellement, à quoi on peut prétendre en tant que citoyen, tout simplement. En copropriété, vous êtes confronté en permanence à cette question du financement des travaux. C'est-à-dire que chaque assemblée générale qui a voté les travaux doit se poser la question, et vous le savez très bien, du financement des dits travaux, c'est-à-dire comment les copropriétaires vont être appelés du montant des travaux que vous êtes amené à décider. Mais votre question est un peu plus précise, puisqu'elle s'agit sur les phénomènes un peu particuliers, sur des travaux particuliers, où c'est des difficultés éventuelles à les financer. Dès lors, vous avez la solution de solliciter un emprunt auprès d'organismes financiers qui le pratiquent, et puis vous avez aussi la pratique des financements aidés, essentiellement par la puissance publique, soit par l'État, soit par les collectivités locales, et essentiellement aujourd'hui dans les travaux qui relèvent des économies d'énergie, et à ce titre, vous serez individuellement ou via votre syndic, qui est amené à vous fournir ce type de réponse, utilement conseillé par des organismes tels que l'ADEME notamment.